de vous avoir montré ce film pour la première fois en France. Donc, il a été montré que deux fois, une fois au Festival de Toronto, une fois au Festival de Saint-Sébastien pour l'ouverture, et là, aujourd'hui. Et vraiment, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux, en tout cas c'est mon point de vue, pour le monde festival, pour le thème Agir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis très content. Irène, j'avais envie de vous poser une. Je ne sais pas si ça résonne un tout petit peu. Ouais, si on pouvait diminuer, voilà. Alors Irène, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir à l'écran? Pour être vraiment crédible, il va falloir que je me mette à prendre le devoir, je crois. Et je ris surtout. Je crois que ça fait ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que c'est mémoriel, on n'oubliera jamais. Corinne, elle s'appelle aussi Séphérina, elles sont des centaines. Ce film existe. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ça existe avant un procès, nous sommes en 2016. Ces événements se sont passés en 2010. Et aujourd'hui, nous continuons à combattre. Je suis toujours dans le rond là, qui tourne pour sortir de cette machine infernale. Nous avons toujours face à nous des grands criminels avec le col blanc. Qui continuent, envers et contre tout, à s'acharner sur leurs victimes, leurs propres victimes. Voilà. Donc, que ce film existe, c'est quelque part gravé dans le marbre, en tout cas dans la pellicule. Je vais rajouter une petite chose. Ce soir, je vous l'ai déjà dit, mais beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Et je ne suis pas toute seule, il y a une armée, et beaucoup de ceux qui, depuis le départ, accompagnent, travaillent, prennent des risques, avancent et se battent, sont dans cette salle ce soir, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Encore avec Irène, et c'est mouvant.
l'idée ne vient pas de moi, d'ailleurs, hein, d'aucune de vos déclinaisons. Adapter le livre direct, c'est une idée des productrices qui m'ont incité à lire le livre direct. Évidemment, je connaissais, comme beaucoup de citoyens français, l'affaire du Benetton, mais comme je dois dire très vaguement, par les médias, sans avoir, pour être très sincère, porté une attention très aiguë. Et donc, j'ai lu le livre direct. Bon, effectivement, j'étais extrêmement choquée, révoltée par le combat qu'elle avait dû mener pour faire triompher une vérité qui aurait dû être évidente et immédiate. Mais c'est la rencontre avec Irène qui a été déterminante pour moi, et c'est en elle que j'ai vu un personnage de cinéma, enfin de fiction, puissant et évident. Et surtout, c'est que l'histoire racontée par elle, avec son bagout, sa générosité, sa fantaisie, sa joie de vivre, évidemment, on a un relief qui m'a fait penser qu'un film était possible. Je dois dire très honnêtement que c'est vraiment Irène qui a déclenché chez moi le désir d'un film, ce qui n'enlève rien à mon engagement aussi dans ce que dénonce le film. Concernant notre petite Cisseuse, je ne la connaissais absolument pas, je n'en ai jamais entendu parler. Mais je n'arrivais pas à projeter l'actrice française dans le personnage d'Irène, qui est trop singulière, trop spéciale. Et donc j'avais vraiment laissé tomber le projet. Et j'ai eu la chance de dîner avec quelqu'un que vous connaissez tous souvent, donc Catherine Deneuve, à qui je racontais mon impasse, et elle m'a dit oui, Catherine Deneuve, je venais de faire deux films avec elle, donc je lui disais voilà, je pense que je ne vais pas faire ce film, parce que je ne vois pas qui peut jouer le personnage d'Irène. Et c'est elle qui m'a dit vous devriez regarder cette actrice Cisseuse dans Borgen, une série danoise. Bon, ok. Oui, je vais regarder, d'accord. Si elle parle pas français, ça marche pas. Si, je crois qu'elle parle français. Et donc, très vite, j'ai regardé Borgen, j'ai dévoré Borgen, j'ai découvert cette actrice incroyable. J'ai vérifié qu'elle parlait français. Et parce que c'était très vite, on allait la voir à Copenhague, elle a tout de suite été emballée par le projet et tout ça. Mais c'est pas fini, parce que le plus incroyable, c'est qu'on était un petit peu gênés d'annoncer à Irène Frachon que c'était une obscure actrice de base. Non, là, j'en rajoute. Non, mais franchement, on pensait pas du tout qu'Irène Frachon connaissait Cisseuse. Et donc, on était un petit peu gênés d'annoncer qu'on avait choisi une actrice qui n'était pas française. Alors que c'est quand même une histoire très française. Et moi, je me souviens de tout. De la réaction d'Irène, qui avait littéralement sauté de sa chaise en disant « Borgen, c'est une vidéo. » C'est l'idole de la famille et je ne pouvais pas rêver mieux pour regarder l'écran. Voilà. Thank you.
Ah. Ça, c'est
qui ont été votées depuis. Il y a des lois qui ont été votées aussi pour protéger les lanceurs d'alerte, pour créer des classes actions, pour l'indemnisation, bien sûr. Ça, c'est tout le plan réglementaire. Il y a eu ensuite une instruction pénale qui s'est ouverte début 2011. Alors ça, c'est monstrueux, puisque ça a abouti rapidement à des mises en examen très importantes d'une trentaine de personnes. L'Agence du médicament a été mise elle-même en examen pour homicide involontaire par négligence. Servier, un certain nombre de ses sbires et les personnes morales qui sont la plupart de ces sociétés sont mises en examen pour des faits aussi graves que tromperie aggravée, escroquerie, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption, bien sûr, homicide et blessure involontaire, quoique les experts blessent. Voilà. Plus un certain nombre d'experts qui étaient au sein de ces commissions d'AMM et dont on s'était aperçu qu'ils étaient rétribués par des sociétés écrans basées en Allemagne pour conseiller Servier, notamment sur la façon de développer le marketing du Mediator et d'autres de ses produits, alors qu'ils devaient prendre des décisions. Et 6 ans après, s'est mise en route une énorme mécanique constituée de plusieurs dizaines d'avocats, plusieurs cabinets d'avocats, pénalistes de très très haut niveau, payés des fortunes, mais ça c'est l'argent qui n'est pas compté dans ce cas-là, et pour qu'ils étouffent et qu'ils asphyxient petit à petit les procédures pénales. Il faut savoir que ces mises en examen, elles ont été en 2013, 2014, l'instruction a été close une première fois en 2014, le réquisitoire du parquet, qui fait 700 pages, est prêt, et on n'a même pas l'année où se tiendra ce procès pénal, parce que le jeu de ces avocats, c'est de planter la procédure sans arrêt, par des contestations, par des demandes de notre expertise, des nullités, etc. Alors les droits de la défense sont fondamentaux dans une démocratie, mais là, c'est le dévoiement total des droits de la défense pour qu'il n'y ait pas de procès, ou qu'en tout cas, ce soit après la mort de nombreux patients, de victimes, voire même des mises en examen. Et donc, ça passe devant la chambre d'instruction, ça passe devant cassation, et puis on remet une pièce, et ça retourne comme ça, et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Pendant ce temps-là, les victimes doivent être indemnisées, parce qu'elles sont toutes réfugiées, c'est ce qu'on a qui ne peut pas monter ces escaliers. C'est aussi simple que ça, ils ne peuvent pas vivre. Ils n'ont pas de revenus, ils ont des revenus. Tu gagnes combien, Séverina? Quand tu étais en maladie, avec ton invalidité, on avait fait un petit calcul. 540 euros par mois. Tout compris. Et donc, on cherche à indemniser ses victimes. Alors, la voie du pénal, vous savez, c'est la voie de la cinquième. La voie civile, c'est donc la voie classique. On va devant les tribunaux et on demande des dommages et intérêts. Non pas pour faute, crapulerie, mais pour, c'est lui administrer un médicament défectueux, et il faut le prouver d'abord. Et ça, les victimes doivent avancer des procédures très chères. Il faut avoir un avocat, il faut avancer des frais d'expertise. Toute la charge de la veuve revient sur la victime, victime par victime, individuellement. Et là, elle se retrouve face à des conseils, avocats. Ce que vous avez vu à l'écran là, qui était responsable de la pharmacovigilance chez Servier, aujourd'hui, il conseille les avocats à Gabo pour démonter les noms des victimes, après avoir démonté les observations. C'est complètement Gabo, et ces gens-là, ils sont en liberté. Je ne sais pas s'ils sont en liberté. Ça, c'est les procédures civiles, avec les lenteurs, d'expertise, les difficultés. Et la difficulté aussi de trouver des experts compétents. Pour ceux qui ont bien suivi, c'est la bibliopathie, les cardiologues ne les connaissaient pas et les attribuaient à d'autres causes.
Et quand on cherche un expert pour juger de la maladie cardiaque, généralement, on cherche un cardiologue. Et puis, le cardiologue, il a appris à l'école que les valvulopathies de Ferrina, peut-être que le du diabète, ou il y a d'autres causes qui ont une. Donc, c'est très très difficile de leur apprendre leur métier. Surtout quand on parle du cardiologue. Donc, ça, c'est un rien, mais c'est une immense difficulté, en fait, d'arriver à faire évoluer aussi la qualité de l'expertise qui fait qu'au départ, les patients ont été massivement déboutés. Ils ont été déboutés dans les procédures civiles et ils ont été également déboutés par le collège d'experts à l'ONIAM. Alors, vous avez peut-être vu à l'écran qu'une loi d'indemnisation a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en juillet 2011. Alors, j'ai beaucoup insisté et ça, Xavier Bertrand a été remarquable là-dessus, a très bien compris que les labos ne seraient jamais fiables. En fait, on ne peut pas demander à des gangsters de devenir des gens bien. Voilà, pour résumer. Et donc, une loi indemnitaire a été votée, il existe une structure publique qui s'appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Nous avons son actuel directeur qui est aussi parmi nous et je salue le très grand travail remarquable qu'il effectue depuis plusieurs années. Et cet office national donne assure la logistique d'un collège d'experts indépendants nommés et qui doit statuer sur les demandes indemnitaires reçues. Plus de 9000 demandes indemnitaires ont été reçues à ce jour à l'ONIAM. Les bons de deux tiers ont été traités, mais il y a une immense vicissitude dans ce processus. La première difficulté, c'est que malgré ces promesses d'indemnisation, Servier constamment tente de bloquer, de contester, de payer à minima. Et même quand les avis sont corrects, si les malades, par exemple, pas d'avocat, parce qu'ils ne sont pas forcément payés par les avocats, eh bien, un certain nombre de propositions qui leur ont été faites, c'était des escroqueries. C'est invraisemblable, passant par un processus, en principe, public. Donc, depuis 6 ans, nous avons dû revoter des lois. Dans la loi de santé, Marisol Touraine, on a pu réouvrir des dossiers qui avaient été mal jugés parce que des défauts de connaissances. Entre-temps, beaucoup de publications scientifiques ont permis de préciser ces valvulopathies, ces caractéristiques, de mieux faire ce travail d'indemnité. Il y avait même un décret qui a été voté récemment, que j'appelle le décret anti-arnaque, pour empêcher Servier de faire des propositions ne correspondant pas à la vie émise par les experts, c'est-à-dire jusqu'où on va, etc. Et donc, on est encore vraiment au corps à corps. Et je reçois tous les jours, tout le temps, des messages de victimes, comme Corinne, qui n'ont rien pour vivre depuis 6 ans et qui attendent désespérément une indemnisation. Ça ne va pas du tout. Quasiment à quelques exceptions près dans les mots, si c'est celle-là, ce soit passé.
l'échographie, elle a eu lieu là où le docteur Jobbik a fait les échographies des victimes qui ont été des déclics d'alerte pour Irène et pour le docteur Jobbik. Donc on se sentait très en prise en fait avec comme une atmosphère encore presque de réel. Et ça c'était très fort pour nous. Et après, il y avait tout le côté extrêmement sympathique de cette expérience qui est que, quand on tourne, on travaille normalement, on n'arrête pas. Il y a Irène, elle courait d'une consultation à une autre. Moi, j'avais besoin d'une précision technique. Tout de suite, elle venait me renseigner, puis elle repartait. Yannick Jobbik, qui travaille également, évidemment, toujours au CHU qu'on croisait. Patoche aussi, l'infirmière de recherche. Patricia et plusieurs autres infirmières de recherche, d'ailleurs, qui avaient participé à l'étude 4-1 pour croiser dans les couloirs, et la vraie Patoche joue dans le film aussi. Donc tout ça, c'est des mélanges qui sont assez merveilleux. Et il y a eu, parce qu'un tournage dans un hôpital, c'est vraiment pas simple. Il y a eu une alchimie grâce à Irène, grâce à l'empathie aussi que les gens ont pour elle et sur son histoire, parce que leur combat représentait aussi pour cet hôpital. Voilà, on en a vécu quelque chose d'assez exceptionnel et on est conscient de la chance qu'on a eue. Dans ce film, une manière de représenter la médecine, de représenter l'acte médical, le rapport entre le médecin et son patient, de représenter l'intervention chirurgicale à cœur ouvert, de montrer une autopsie qu'on a rarement vue au cinéma. Je vous pose cette question parce que vous avez vous-même, Emmanuel Percourt, un rapport particulier à la médecine qui fait que l'hôpital n'était pas un domaine qui vous était totalement étranger, en fait, en arrivant au CHU de Brest. Vous connaissez. Oui, en fait, disons que j'ai quand même, en dehors de mon engagement total derrière Irène dans sa cause et son combat, j'ai moi un lien intime d'une certaine manière à cette histoire, puisque je suis fille de chirurgien cardiaque, que moi, mon mercredi après-midi, je l'ai passé au bloc opératoire, et que chez nous, au repas de famille, il était très souvent question pharmaceutique et des dangers de la puissance et de l'abattoir. Ça, je vous parle, j'étais vraiment très très jeune. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisée par mon père depuis très très longtemps. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé une connexion évidente en dehors du scandale lui-même avec ce qu'il y avait à raconter. Mais pas en dehors de mon goût personnel pour la chirurgie, notamment cardiaque et tout le domaine médical, j'avais. Il paraissait essentiel que le spectateur, en regardant ce film, ne se borde pas au fait et à quelque chose d'un peu abstrait. Parce que cette histoire raconte aussi ce qu'ont enduré les victimes. Et défendre les victimes, je pense que c'est ce qui anime le combat inévitable de la recherche depuis le début. Et je voulais vraiment que le spectateur, même si je sais que c'était courant et que certains ne peuvent pas regarder ces scènes, prennent conscience de la façon organique de ce que ces victimes, du préjudice, innommable que ces victimes avaient vécu dans leur corps, parfois, et puis pour d'autres au prix de leur vie. Et je voulais que ça soit incarné à l'écran, et que pour le spectateur, cette histoire ne soit plus un médicament, il y a un type de détruit des mains, on ne sait pas tellement, enfin, il y a un médecin, un moment qui s'est démené. Non, là, le film leur offre la possibilité de voir ce que c'est. On se fait mourir le cœur en deux, on se fait autopsie, on se fait découper en morceaux. Voilà, c'est ça pour certaines victimes du médiateur, et heureusement pas toutes, que cette histoire va s'insignifier. Quand vous avez accepté de tourner ce film, vous saviez qu'il allait y avoir des scènes comme celle-là. Vous vous attendiez à devoir avoir un cœur entre les mains. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous de tourner de telles scènes? J'avoue que j'étais surpris sur le tournage à quel point tout était
Et donc, j'ai eu le temps, moi aussi, en tant que comédienne, physiquement, de sentir ces stades dans un événement comme ça. C'est émotionnel, c'est choquant. On commence au bout de deux heures d'avoir un petit peu mal aux jambes. Il y a peut-être un petit pensée d'ici. Il y avait les pieds, je me rappelle. Moi j'étais les pieds du corps qui étaient tellement bien faits. Je voyais ces pieds qui comme elle dit dans le film, elles ont dû la porter. Et j'étais hyper touchée par les pieds, donc c'était pas. C'était très différent qu'une scène, pas autopsie, oh choc, presque mort, très mort. J'ai vécu un petit peu la chose que je trouvais le son, là. Sa gestuelle, c'est pas ce qui apparaît en tout cas dans le film, il y a quelque chose d'autre. À quoi vous pensiez quand vous pensiez à elle, quels sont les mots qui vous venaient et que vous avez essayé de retranscrire à l'écran? Quelque chose qui me dévore depuis des années.
à de multiples reprises. Cette peur qui visiblement vous tenaille, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est-à-dire que oui, j'ai eu peur parce que je savais que j'avais affaire à des gangsters et je vais vous dire, aujourd'hui j'ai encore peur, j'ai pas peur pour ma peau, j'ai peur pour la peau des victimes parce qu'elles se font maltraiter et que peut-être ce soir, il y a eu dans cette assemblée certains qui étaient là pour voir ce qu'ils pouvaient attaquer sur le film, ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Et cette peur. Elle est là parce que ces gens-là rôdent, fomentent leur forfait, sont restés malheureusement très soudus, ils sont peut-être parlés au sein de la communauté médicale, notamment cardiologique. Et donc tout ceci autour de nous et autour de ces victimes constitue une menace permanente. Donc la peur ne m'a jamais quittée. Qui veut poser des questions? Et la conscience du fait qu'ils ne sont plus les médecins
la question des pharmacologiques aussi. C'est ce moment-là, quand on fait ce staff, on réalise des travaux au sujet de la pharmacovigilance des médicaments. C'est des normes qui sont prises en fait avec l'Agence nationale des médicaments, grâce à cette standard. Vraiment, j'ai de l'admiration pour vous, c'est le courage. Et ça change beaucoup. Je travaille dans la pharmacovigilance depuis très longtemps. Et c'est qu'avec cette scandale, en fait, que sa santé, que les médecins ils sont relâchés en vous, et que l'industrie pharmaceutique, en fait, on essaie, et ça commence à retirer un peu dans les hôpitaux. Parce qu'avant, vous le savez, c'est pas moi qui va vous apprendre ça, vous le connaissez, on avait beaucoup de collaborations, entre guillemets, entre l'industrie pharmaceutique et les cliniciens. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Je dis bravo, bravo pour votre travail, et je vous dis merci. Vous avez vraiment développé, aidé à développer la pharmacovigilance ici en France. Et à l'Union européenne, on ne voit pas. Avant, on n'existait pas la collaboration avec l'international, avec la SAF et la FDA. Maintenant, on a. C'est vraiment merci, merci, merci. Bravo. Une autre question. Le médecin en main pour le voir. Bravo pour votre combat. J'ai une question, j'allais dire sociale et économique. On parle d'un laboratoire qui a gagné beaucoup d'argent en diffusant un produit qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est toxique. La deuxième, c'est qu'il avait une AMM pour le diabète et qu'il a été diffusé comme coupe-faim. Et prescrit de façon très vaste comme coupe-faim. Donc le laboratoire a gagné son argent parce que les médecins l'ont prescrit grâce à une indication verbale de visiteurs médicaux qui indiquait que c'était un médicament anorexigène et par ailleurs parce qu'il y a un financement des médicaments en France par la sécurité sociale. Alors je voudrais savoir si l'Ordre des médecins et la CNAM se sont portés partie civile contre le laboratoire Servier, ce qui paraît évident. Oui, la CNAM, en tout cas, est la principale partie civile constituée contre le laboratoire Servier, et notamment pour demander le remboursement des immenses sommes qu'elle a avancées pour payer le MEDOC et pour payer ses dégâts, puisque la prise en charge est celle de la CNAM. De toute façon, il a été vendu comme antidiabétique, ça n'est pas un antidiabétique, il y a un problème. C'est-à-dire en dehors de cette indication. Les médecins prescripteurs, c'est pas très malin de prescrire un coupe-faim, il faut bien prescrire, mais bon, c'est pas non plus, on va pas nous mettre en cause parce que vous n'avez pas bien à prescrire. Ils étaient trompés par Servier. Ils avaient peut-être entendu à l'écran que si la victime aurait repris du médiator, c'est parce que le médecin a reçu un courrier rassurant Servier. Le dernier courrier rassurant que Servier a envoyé à un médecin endocrinologue au sujet des médiators, c'était en mai 2009. J'ai DOC et j'ai juge d'instruction. Et le médicament est virtuellement en novembre 2009, comme vous avez pu voir. La tromperie est absolument démentielle, totalement prouvée. Voilà. La CNAM est partie civile, les mutuelles sont parties civiles dans le procès. Et puis la CNAM essaie de récupérer, mais insuffisamment, parce que c'est très complexe, et Servier fait tout pour ne pas payer. Quand il est condamné à indemniser une victime, il devrait verser à la CNAM les coûts de la prise en charge des dégâts, et c'est extrêmement difficilement obtenu. Donc il y a un reste à charge pour avoir encore la communauté qui est énorme. D'autres questions? Oui, bonjour, bonsoir. Je vous félicitations
félicitations pour votre film. Je voulais savoir si vous aviez eu des pressions pour faire le film, puisque est-ce que le laboratoire Servier a fait des pressions? Si le laboratoire Servier a sur moi, oui, pour le film, est-ce que... Ah non, non, aucune pression d'aucune sorte, ni pour moi, ni pour la production. Merci. Autre question? Oui. Quel a été le rôle des médias dans l'éclosion de l'affaire? Vous l'avez vu, il y a été monsieur manager, alors on est vu comme un peu, et le rôle du Figaro est absolument essentiel. Vous avez vu passer un article du Nouvel Observatoire, entre des intérêts différents et
universitaire jusqu'à aujourd'hui. Reste même, mais quoi même, certains de mes collègues vacillent parfois et vacillent. Et aujourd'hui, les pires sociétés, les grandes sociétés que je déclenche, c'est au sein du monde médical et au sein du monde universitaire, les gens veulent terriblement d'avoir ébranlé et bousculé ce système. C'est vraiment. La censure est très, très importante. J'ai des collègues qui ont écrit des tribunes pour m'accuser d'avoir jeté l'ouvrage sur le grand médical en dénonçant ses liens d'intérêt et en disant que c'est odieux de laisser penser que les médecins pourraient être autrui ou simplement même influencés par l'industrie pharmaceutique. Donc on en est encore à un débat ou un non-débat très dur. Je tenais à ce que ce soit poignant, divertissant, excitant.
ça permette évidemment peut-être une prise de conscience pour beaucoup de gens, des histoires dont ils ne connaissaient que les faits en fait, et qui étaient abstraits. Et si vous souhaitez assister demain à la suite du monde des